Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui on va parler skills de commandant légendaire puisqu'on a enfin les skills de Henri IV et de Boudica, on les a en Vietnamien, mais évidemment, on a eu la traduction. On va parler event aussi et meilleur investissement pour les nouveaux events. Mais avant cela, les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, les amis, qu'attendez-vous pour venir chercher toutes les infos sur Rock, sur le Discord de la chaîne, c'est super simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. À droite sur l'overlay, vous l'avez aussi si vous kiffez taper, taper, et pas taper avec votre petit doigt, le raccourci. N'hésitez pas à le faire, les amis. Commençons donc tout de suite l'opti des events je vous en parlais dans la vidéo d'hier on a plein d'events qui ont pop qui sont liés au kvk attention c'est lié au kvk et je pense même que c'est lié au kvk saison de conquête alors déjà on a la roue de la chance je vais faire mon petit tour il reste qu'au 16h32 minutes et 27 secondes au moment du record mon petit tour gratuit alors la roue de la chance elle est toujours éclatée en général, quand je dis ça, il me donne des trucs bien. Mais non, là, il ne me fait pas mentir. Il me donne du bois. Allez, vous savez quoi, j'ai un petit peu de gemme. Comme d'habitude, je vais aller chercher les 10 tours. Parce que les 10 tours, c'est quand même la base pour 400. J'ai une petite sculpture et on se met un petit 5 tours des familles. Comme ça, on ouvre le coffre aussi. Allez, on l'ouvre tout de suite. Ouvre-toi, ouvre-toi. Un. Hein on va voir ce qu'il me donne. Du bois tout pourri, de l'or tout pourri. C'est bien, hein on est top. Des accélérateurs qui servent à rien. Continue à me donner des trucs qui servent à rien. C'est parfait. Un tirage éclaté. Regardez bien ce tirage. Vous verrez rarement un tirage aussi moisi que celui-là. Et puis j'ouvre et je récupère les 5 sculptures de Scipion P. P. Pour Patatou. Pour ceux qui se le demandent. Oui, oui, c'est bien P pour Patatou. C'est une dédicace de Kevin. Mon ami. Alors parlons peu. Parlons bien. Désir du cœur et taverne légendaire. Deux events qui permettent d'avoir des commandants légendaires. Et qui utilisent tous les deux des clés. Donc. Comment peut-on optimiser cette dépense? J'ai 44 clés de taverne, des clés légendaires, je ne sais même pas le nom. J'en ai 44 là, tout de suite, maintenant. Sur quoi les investir entre les deux? Alors, je me suis beaucoup penché sur la question. J'ai fait des tests avec mes comptes de farm. J'avais plusieurs dizaines de clés sur tous mes comptes de farm. Donc, j'en ai claqué pas mal et j'ai fait quelques petits tests. Regardons déjà au niveau des pourcentages de drop. Si on regarde en x1, on est allez, entre 0.21 et allez, 0, 21 et 0.111. D'ailleurs, pourquoi at-t-il est aussi bas Je ne sais pas. 0.21, 0.21, c'est le plus bas. Le plus haut, c'est 0.111 pour une sculpture. Et euh, les fois 10, on est... On est... Alors, attendez, 0.21, non, non. 0.21 et 0.111, c'est pour les commandants complets. Et les x1, ça va, ça va. Déjà les x1, c'est 011. Donc non. C'est si c'est bien ça. Hein. x 1 x1, x1, x1. Ok, c'est bien ça. Ça va jusqu'à 0,066 sur Saladin. Des chances faibles. Et on tourne autour des 1%. Allez, pour les sculptures. Pour les sculptures x1. Si on regarde au niveau du désir du cœur, je ne regarde pas le reste. On s'en fout. On veut des sculptures légendaires. Si je regarde au niveau du reste. Du reste, non, de désir du cœur, regardez, 0,195 pour le x1. Et les sculptures, on a 6% et demi. Donc oui, sur Désir du Cœur, on a beaucoup plus de chances d'obtenir des têtes de sculptures. Alors vous allez me dire, ah bah ouais, d'accord, mais bah à ce moment-là, on va claquer toutes nos clés dans Désir du Cœur. Eh bien, c'est pas aussi simple que ça, car regardez, Désir du Cœur, si vous ratez hein, ou vous n'avez pas moyen de racheter par la suite, hein, il ne nous parle pas d'un store. Regardez, dans Taverne Légendaire, j'ai un store. Si j'ai des sculptures que j'ai déjà, je peux racheter les clés de souverain. Je récupère des petites euh, des petites pièces, hein, comme ça, hein, des tavernes, des jetons. Ce qui me permet de racheter des clés de souverain si j'obtiens un commandant que j'ai déjà eu. Dans Désir du Cœur, il n'y a pas ça. Alors vous allez me dire bah ouais mais il a pas besoin parce que tu sélectionnes es pas débile tu sélectionnes des commandants euh, que tu n'as pas évidemment oui c'est pour ça que c'est fait mais mais y a, parce qu'il y a quand même un mais il y a des commandants qui sont de seconde zone quand même qu'on est obligé de choisir parce que la liste alors je peux plus vous la montrer la liste hein, moi j'ai choisi ces cinq là mais franchement la liste elle est pas oufissime non plus hein, il manque pas mal de commandants il y a pas par exemple le roi du chocolat il y a pas euh, nevsky pas mal de commandants très très bien ne sont pas là. Faisons le tour gratuit. On peut peut-être avoir de la chance sur ce tour. Allez, qu'est-ce que tu vas me donner Un truc éclaté ou un truc bien de la nourriture, c'est éclaté. De l'autre côté, je fais le tour gratuit de la taverne. Bon, j'ai un truc éclaté aussi. Et regardez en plus sur la taverne, hein, ce qu'on pas. Enfin, si on a gratuit un commandant légendaire ou ses sculptures une fois tous les 10 ouvertures. Ok, on l'a des deux côtés. Je vais dire, on l'a pas des deux côtés. Donc vraiment... Là, ça va dépendre de ce que vous voulez, vous, ce dont vous avez besoin. C'est difficile de se prononcer car là, vous avez le choix entre... Enfin, vous avez le choix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il y a 22 commandants légendaires que vous pouvez avoir en random dans Désir du Coeur. C'est Focus uniquement sur 5. Donc si vous ciblez exactement un commandant, c'est ça mon conseil. Si vous avez un petit panel de commandants, allez sur Désir du Coeur. Sinon, la taverne légendaire me paraît quand même plus rentable. Moi au niveau du Désir du Coeur, hein, j'ai pas eu beaucoup de chance. Allez, je vais en claquer 10 dessus. On va voir ce que ça va donner. Sachant que les commandants qui sont là... Et encore, j'hésite, hein, j'ai envie de les garder parce que... Parce que c'est euh, en espérant avoir des meilleurs commandants. Mais allons-y. Je vais en claquer 10 dessus. On va voir si j'ai un tirage chanceux ou pas. Non, les tirages, c'est à peu près équivalent. J'ai 3 pour 10. J'ai 3 sculptures. De l'autre côté, c'est la moyenne aussi. Hein. Je vous l'ai déjà dit sur la taverne légendaire. En général, un tirage moyen pour 10. On a 3 sculptures. Si vous en avez plus, c'est un très bon tirage. Vous le voyez. Donc au final. C'est à peu près équitable, sachant que regardez, j'ai Ramsès, Tomiris et Saladin. Et Ramsès et Saladin sont de l'autre côté aussi dans mon tirage. Au final, c'est pratiquement équivalent. Lilith n'est pas débile. Évidemment, ils ne vont pas nous sortir deux events en même temps qui n'ont rien à voir. Au final, l'un ou l'autre, vous serez satisfaits. Donc voilà, ciblé, moi je pense que je vais claquer mes 24 dernières sur Désir du Cœur, mais la taverne peut être également donc un bon choix. Voilà pour cette petite analyse de pourcentage, vous le voyez, c'est plus avantageux du côté du Désir du Cœur, mais il y a l'avantage d'avoir pouvoir acheter des clés ou acheter des sculptures directement hein, sur la taverne légendaire, parce que je vous disais, on peut racheter des clés. Mais vous pouvez très bien acheter directement des sculptures, si c'est ce que vous voulez avec vos pièces, des sculptures génériques. Et là, vous pourrez vraiment investir dans tous vos commandants, même ceux qui ne sont pas dans la liste. On va passer à présent les amis au futur pop des commandants légendaires à venir et on va revenir si vous avez raté la vidéo d'hier foncez la regardez les amis sur Henri V et Boudica version 2.0 on commence tout de suite par Henri V et donc par le leak intégral de ses skills là franchement ça va être très 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 lourd je vous avais dit hein, on a des commandants avec des très gros bonus et vous allez le voir alors sans vietnamien évidemment Parlant couramment vietnamien, je vais vous le traduire. Hein. J'ai été euh, 10 ans au Vietnam. Non, je plaisante évidemment. On a eu les leaks en anglais qui sont sortis. Skill numéro 1, euh, ce qui est Evenly Father. Je ne sais même pas euh, le traduire celui-là en français de l'anglais. Je, je ne sais même pas comment Lilith va le traduire exactement, plutôt parce que mot à mot, ça se traduit évidemment. Eh bien, c'est le premier skill, hein, c'est un facteur dommage de 2300, 2300. C'est très lourd pour 1000 de rage. On ne fait plus la connerie ne fait plus la connerie de nous sortir un 1300 de rage, un 1350 à la Edouard. Donc, ça donne 1300, 2300 de dommage factor. Et ça réduit les skills dommages de la cible de 30% pendant 5 secondes. Très lourd. Très très lourd. Une seule cible, 30% de dommage en moins et on lui met un dommage factor de 2300 cooldown pendant 5 secondes. Franchement, ça fait très très mal. Deuxième skill très lourd aussi hein, qui s'appelle Wesh, presque Wesh, Longbow. 20% de chance, pas de chance, 20% d'increase d'attaque, donc augmentation de 20% de l'attaque quand on est au maximum, hein, évidemment. Je vous parle que du skill max. Donc 20% d'augmentation de l'attaque et 20% d'augmentation de défense. Hein, Lorsqu'on est à l'extérieur du territoire, hein, le march speed hein, est augmenté de 20% évidemment également et qu'à l'extérieur du territoire, je vous l'avais dit, on allait avoir des skills d'augmentation de vitesse. On est bien sur les archers, hein, comme vous le voyez. Donc vraiment très très bon skill là aussi. On augmente l'attaque, on augmente la défense. Alors oui, à la place de l'attaque, on aurait préféré de la santé, mais on ne peut pas tout avoir. Et puis c'est des archers. Les archers, ça doit rester en papier. Et donc le speed a euh, augmenté de 20% également. L'impérial, ouais, troisième skill. Hein. Quand on attaque un fort ou une ville, ça c'est classique, hein, c'est le deuxième arbre, hein, comme vous le voyez, conquête de notre ami Henri V. Quand on attaque, j'ai envie de dire Henri IV tout le temps, hein, quand on attaque donc un bâtiment, un fort, euh, une ville, n'importe quoi, les dommages de contre-attaque sont augmentés de 30%, les skills dommages de la cible sont augmentés aussi, non pas de la cible, les skills, dommages sur la cible sont augmentés de 30%, donc on augmente de 30% la contre-attaque, on augmente les, les dommages de 30% également, et on a 10%, de ça ça s'augmente, pardon, et tout ça c'est, on a 10% de chance à chaque attaque. Donc si euh, on a... C'est un cooldown, pardon. C'est un cooldown de 5 secondes également et ça dure 3 secondes si la traduction est bonne. Donc je résume. Hein. Augmentation de la contre-attaque de 30%, augmentation sur la cible de 30%, 10% de chance de se déclencher. Ça dure 3 secondes et ça peut se déclencher toutes les 5 secondes. Le Dernier skill avant l'expertise, bataille de Azengour. Je ne sais même pas le prononcer non plus. 10% de chance d'augmenter les dommages des archers. De, enfin, l'attaque. Non, les dommages des archers. 10% de chance hein, de, de, de... Si on est attaqué, de... Si on est attaqué, c'est pas français ça. 10% de chance, hein, lorsque l'on est attaqué, de donner des dommages additionnels. Facteur de 800. Ça peut se déclencher toutes les 5 secondes. Un bon... Skill bien sale, celui-là en plus du premier skill à 2300, ça fait très mal. Pour finir, l'expertise hein, de notre ami Henri V. Hein, enfin, notre ami était quand même chez les Anglais, si je dis pas de bêtises. Hein, C'était un roi d'Angleterre. Confirmez-moi ça, d'ailleurs, hein, les, les boss en histoire. Comme ça, on fait un petit peu d'histoire au passage. Hein, ça vous aide pour ceux qui sont sur le bac. Hein. Donc, on c'est est un peu tard, remarque. Hein, on est sur une expertise qui dit que lorsque on a plus de 70%, c'est ça. Hein, quand on a plus de 70% de nos troupes, hein, les généraux les attaques oh là c'est énorme ça les attaques ont 30% de dommages en plus hein, et euh, les euh, les attaques de la cible hein, sont diminuées la cible les les attaques qu'elle nous porte sont diminuées de 20% ça fait mal, hein. j'espère que la traduction, hein, elle est bonne là. Et ouais, c'est vrai, être ça. Augmentation de l'attaque de, de 30%. Enfin, augmentation aussi de l'attaque des dommages. De, c'est ce qu'ils disent. Les dommages des générales attaques. Donc ça doit être les dommages de toutes les attaques normales. Voilà, c'est ça. Les dommages des attaques normales sont augmentés de 30%. Et les dommages subis des attaques sont, sont diminués également de 20%. Un peu difficile à traduire là, hein. je galère un petit peu. C'est la traduction, je sais pas si elle est en carton ou si c'est moi. À mon avis, c'est un petit peu des deux. Donc, un commandant avec beaucoup d'augmentation de dommages hein. 2300 de dommages factor sur le premier skill, 800 de dommages factor sur le quatrième skill. Une expertise qui augmente encore les attaques normales, plus un troisième skill, Imperial Way, qui augmente aussi les attaques normales. Bref, on est sur un commandant qui fait. Très mal et qui a du rallye très très lourd. On passe à présent à Boudica version P, Bouddhica Patatou ou est Kevin, hein, on verra si c'est un K, un P surprise, surprise, on verra bien donc premier skill, Ikenis Revenge, j'ai cru que ça allait être Icaris Revenge, j'allais dire le mec a payé pour avoir un skill à son nom, non, évidemment donc Ikenis, la revanche d'Ikenis je sais même pas ce que c'est euh, ça doit être une bataille historique donc on est déjà sur Boutique avant de parler de ses skills hein. on est bien sur l'archer, il hein. n'y a pas de, de surprise notamment, on l'a annoncé donc dommage factor de 2300 sur une cible on le savait donc, je vous l'avais annoncé augmente les dommages de 35% en plus et réduit la marche speed de 30% tout cela pour trois secondes un premier skill franchement il brûle alors là Boudica ils ont pas rigolé elle a l'air très solide deuxième skill décisive battle les commandants lorsqu'elles lident des archers, donc hein, unit, les, les unités d'archers, plutôt euh, les d'archeries, ont l'augmentation de leur puissance d'attaque de, de 30%, marche speed augmenté de 10%, donc 30% d'attaque en plus, marche speed 10%. S'il si reste moins de 80% des troupes, hein, l'armure, la défense hein, des troupes est augmentée de 30%. Donc c'est pas mal quand vous vous faites un peu péter la bouche, 80% en dessous. A noter, ceci, si j'ai bien compris le skill de 70% de troupe du côté d'Henri 4, on a une petite zone entre 70 et 80 où ça va faire très très mal, hein, tant en bonus d'Henri 4 que en bonus de Boutika. Troisième skill le blessing la, le blessing of the forest oh là cet accent des quartiers le skill dommage hein, du commandant donc les skills dommages des commandants sur le, le field sur l'open field hein, sont euh, réduits de alors non les dommages subis sont réduits de 35 35 alors là ça serait énorme ça serait énormissime même. Donc ça doit être les attaques, les skills, les dommages de skills, ouais, les dommages de compétences sont réduits, qu'ils prennent sont réduits de 35%, hein, 50% de chance d'augmenter de 25% jusqu'à 50%. Les attaques Énormissime. Hein. Ça peut se déclencher une fois toutes les 7, pour... toutes les 7 secondes. Et on a 25% de chances que ça se déclenche. Un skill qui a l'air très solide, si je le comprends bien, il a l'air très très bon Et également. C'est vraiment du très gros skill. On est sur des commandants archers, hein. les commandants archers c'est fragile, mais ça fait du très gros dommage. On se retrouve sur le quatrième skill qu à présent. La protection des anciens la, sur, sur la cible en cours. Hein, tous les dommages donnés par l'infanterie... Ah, dans tous les dommages donnés par les archers sur l'infanterie sont augmentés de 5%. C'est de la balle. On a un facteur de soin de 800 aussi qui peut se déclencher toutes les 7 secondes après le déclenchement, le lancement euh, d'un skill. Vraiment pas mal du tout. Dernier skill, hein. Ikeniz Blood Clots. Je ne sais pas du ce que ça veut dire, Clots. Les dommages, donc c'est l'expertise. Hein. Les dommages sont augmentés de 10% quand on est euh, sous contrôle. On, est, euh, on a 80% de chance d'être immunisé de, au contrôle effect. Pas mal du tout, franchement, euh, ce, euh, ce dernier skill, cette expertise. Alors dans les skills là, je préfère ceux de Boudica. L'expertise, je préfère celle d'Henri V. On est sur deux commandants très lourds, il n'y a pas de doute. Hein. On est sur des commandants qui vont faire très très mal. Quand vont-ils sortir, sachant qu'ils ont fuité de manière... Bon, vous le voyez, c'est des screens officiels. Donc cela, il n'y a pas de surprise. Il devra arriver à mon avis au prochain patch. Je pense, si je dois faire allez, une projection, ils vont arriver, à mon avis, d'ici le mois de juillet. Sachant qu'on a déjà 4 autres commandants légendaires qui doivent tomber. Je vous ai montré hier. Les deux de civilisation, Imhotep hein, et Toutos 3, si je ne dis pas de bêtises de mémoire. Les deux commandants qui font des tours, hein, qui sont en spécialité ingénierie avec les catapultes. Bafura et l'autre, j'ai oublié son nom. Donc on a au total 6 commandants légendaires qui arrivent. Donc à mon avis on va avoir une, un bon cadencement. Mais Boutika version 2 de Henri V devrait arriver d'ici l'été. En tout cas ces deux commandants-là, si vous hésitez comme moi et que vous avez besoin de monter une file sur des archers, puisque j'ai pas de commandant d'archerie. Là, ça a l'air d'être du lourd, mais on se méfie souvent des commandants qui paraissent lourds. Puisqu'après, ils sont tout naze. Les amis, je finis avec mon KvK, puisque l'ouverture des portes va avoir lieu très prochainement. Au moment où vous verrez cette vidéo, les portes auront ouvert. Elles auront ouvert depuis pas longtemps. Elles auront ouvert depuis moins d'une heure. Puisqu'elles ouvrent dans 7 heures à présent elles ouvrent vers 17h cette vidéo sera disponible vers 18h donc vous pourrez voir tout de suite après la vidéo l'ouverture des portes le combat du 1556 j'hésitais à vous faire un live mais ça va être compliqué donc je vais probablement vous faire des records et vous allez voir donc dans la vidéo de demain je vais vous faire un record en condition de live de l'ouverture de ces portes et des combats et je vous montrerai je vous montrerai tout ça parce qu'il y a quand même des phases un peu d'ennui durant les lives hein, au tout début la première les deux premières heures il n'y a pas grand chose qui se passe il hein, faut attendre que les zones se touchent pour commencer à avoir du lourd je vais vous record comme ça et donc le choc entre le 15 56 de l'autre côté et leurs adversaires directs hein, notamment nos amis nos ennemis pour le coup hein, les pêches hein, les pêches et leur coalition les rips vraiment les pêches les piches ça reste une très très grosse alliance hein, avec leur leader notre cap Jack. Hein. Donc on va voir cette ce combat et je vais vous faire pas mal de records et vous monter tout ça les amis. Voilà écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis, et je vous dis à plus sur Rock